Ah, c'était des vocalises. Alors. Ça s'appelait comment ça? Ça s'appelle Tout est possible en fait en vrai, c'est ça que ça veut dire. Dormi près du stade sur un petit camping-car. Bon, là-bas il y a ce qu'il faut pour l'eau, etc. C'est gratuit en plus. Au cœur du village, très bien dormi. Et maintenant j'ai rendez-vous avec Jacques. Voilà, Jacques Turtle, menuisier de passion, je crois. Hein. C'est pas son boulot, mais qui est donc prêt à me filer un petit coup de main. Et on a rendez-vous aujourd'hui. Pour se rencontrer d'une part et parler du projet Roulotte. Voilà, donc je ne sais absolument pas s'il acceptera ou pas d'être filmé. Voilà, je ne sais pas quel sera son choix, mais c'est parti. En tout cas, moi je vais avoir des infos, on va pouvoir bien discuter. Ça va être cool. Voilà, chez Jacques. Voilà, ça c'est une équerre à un système que j'ai débloqué déjà qui fait 90 et 45. Ouais. Voilà. T'as eu ça en brocante toi? Non, la varlope là, c'est une bête extraordinaire. Donc je vais restaurer tout ça.
puis prendre du plaisir. J'adore la restaurer, mais je vais aussi m'en servir, bien sûr. Voilà. Bon, alors, t'as mis ton maquillage, je peux te filmer ou pas? Allez, si tu veux. Ben. Allez, si je veux. Et ben voilà, je vous présente Jack. D'un instant, je suis pas obligé de sourire. Non, t'es pas obligé de sourire. Mais ça te va bien, le sourire, par contre. Hein. Ouais, ben, alors, dis donc, il y a de la machine ici aussi, c'est dingue. Ah ouais, carrément, il y a la... ah bah, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ouh. Ah, ça, on aura peut-être besoin de ça. Ouais. Très important. Petite scie. Ah ouais, t'es bien équipé aussi en ouais. Serre-joint. Ah, t'es hyper équipé. Hein. Mais ça, il va falloir qu'on en parle aussi des serre-joints parce que... Ouais, si on doit faire des choses... Il y a la façon de faire de la mêlée. Ouais. Et c'est pas très compliqué. Mais en revanche, il va falloir trouver un système parce que pour faire ce 2,50 m des serre-joints, il en faut une tartine. C'est ce que je pensais. Et ouais. Là, il y a un gros budget. Ouh, on va voir. On ouais. va réfléchir à tout ça. On va plancher tous les deux. Mais il y a des solutions. Tiens, là, ça y est, on l'a. Allez, ça y est. Ça y est, ouais. Ah, mais disons, ça plie vachement bien, ça. Hein. Ça, c'est du bois qui plie bien. Oh, ça ronronne, ça. Hein. Dis donc, il y a du matos, hein, il y a du matos. Non, il y a du matos de partout. Bah, en tout cas, merci pour tes conseils et ton aide. On ne sait pas où on va, mais on y va. Allez. Alors là, changement de décor. Tout à fait. Je suis au col de je sais plus quoi. Oui, parce qu'il y a des montagnes en Bretagne. Je sais que ça vous épate, mais... Personne à bout de cabane là-bas. Voilà, il y a des gens qui ont des petites randos par ici. J'avoue qu'avec la brume, ça fait une ambiance de dingue. Voilà, c'est sympathique quand même. Hein. Même avec la brume au loin et le temps un petit peu pleuviotant. Alors, eh ben, on est sur la route en fait. On a quitté Jacques tout à l'heure. J'ai appris plein de choses. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Et voilà pour la roulotte, il y a à faire, c'est sûr. Hein. Et donc maintenant je me dirige chez un autre monsieur qui lui est plutôt au bout de la pointe de Bretagne, du côté de Camaret, qui lui a fait sa roulotte lui-même. Et voilà, je vais rouler tranquillement, alors je vais pas le voir demain, je vais aller tranquillou, je vais me poser ce soir peinard, peut-être que je le verrai, je sais pas, demain ou après-demain, on verra. De toute façon, je vous tiens au jus comme d'hab. Je profite du petit retour, là, j'ai pas beaucoup de bornes, hein. J'ai 80 bornes entre chez Maître Jacques et chez l'autre monsieur qui a sa roulotte. Et j'ai décidé de le faire en deux jours parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à rouler. Mais je le fais en me baladant. Et voilà l'avantage de se balader. C'est que tu te poses, tu vois plein de choses. Et là j'aime bien cette ambiance paysage de dingue. Voilà, ça change un peu. C'est vraiment c'est marrant parce que c'est montagneux quand même. Même dans l'esprit, quoi. Je veux dire, il y a du rock. Je sais pas si vous voyez là. Attendez, est-ce que vous voyez là? Là, c'est rocailleux comme c'est pas possible. Il y a ce côté, c'est rigolo, je sais pas si vous avez vu. Il y a ce côté montagne de Bretagne. Bon, allez, je continue à marcher. Fou, fou, fou. Alors, je vous fais un petit rapproché. Pour faire un rapprochement. Et comme vous le voyez, il y a des montagnes en Bretagne. Voilà. Il faut quand même savoir une chose, c'est que à je ne sais plus quelle ère de notre planète, je vous l'ai déjà dit je crois, mais je vous le redis, ici en Bretagne, étaient les plus hautes montagnes d'Europe. Voilà, il faut quand même le savoir. On aperçoit une charmante cabane là-bas. Yes.
Non, j'ai rattaché les Joy. Parce qu'on se rapproche de la petite route. Et on va faire un petit halt ici pour manger un bout. Voilà. Et on prendra la route tout à l'heure. Ah, la petite marche, ça fait du bien. Je sais pas si vous voyez là-bas au fond. Je vous fais un zoom. Il y a le lac de Renelis. Ouais, on le voit ou pas? Ouais, là-bas au fond. C'est fini. Une fois n'est pas coutume. Petite crème au chocolat. Je mange rarement des trucs sucrés. Et là, j'avais envie. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Ça me rappelle pas une petite pub. Rappelez-vous. Allô, le responsable des poissons rouges. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse. Alors oui, je patiente. Trois d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Petite crème soja, chocolat. On dirait de la crème Mont Blanc. Ah, j'aime pas les trucs sucrés, mais j'avoue que de temps en temps, je me fais une petite déchirade comme ça, au sucre. Ça fait du bien. Alors, il fait gris, il tombe un peu de gouttes du ciel, mais aussi de ma tête. Parce que mine de rien, il fait pas froid du tout. Alors, j'ai acheté un gaz, un truc là, qui se transporte, qui se met à l'extérieur, parce que je prévois un petit peu de camper peut-être à un moment quand j'aurai vendu la cabane et que je n'aurai plus de maison. Je n'aurai donc plus de gaz, donc j'ai acheté un truc à cartouche. C'est le deuxième essai que je fais dessus pour voir à peu près combien de temps ça dure cette histoire. Voilà, bon, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. C'est la deuxième cuisson vapeur que je fais dessus, donc ça prend à peu près un petit temps quand même. Un petit temps de, je sais pas, 15-20 minutes. Donc on va voir combien de temps ça dure une cartouche déjà, ce serait pas mal. Ça va, ma pipoune? Je voulais vous dire, c'est assez incroyable la vie, hein, parce que ce matin, il y a un petit van qui vient se garer à côté de moi, là où j'ai passé la nuit, là, sur le parking ici. Et bon, je les ai vus, ils ont été faire une balade, tout machin, puis moi je terminais mon petit déj. Donc je suis pas sorti pour leur dire bonjour, rien du tout, quoi, puisque mais ils étaient occupés à faire leurs affaires et moi les miennes. Et puis finalement, ils ont pas fait une grande balade, moi j'ai fini mon petit déj, et puis je me dis, j'entends leur moteur qui démarre, je vais leur faire un petit coucou, parce qu'on s'était vite fait aperçu, Lily Joy leur a gueulé dessus, donc forcément, on s'est aperçu vite fait sur au travers de ma fenêtre. Et puis bon, je sors, ils démarrent leur moteur, ils commencent à s'en aller, puis je leur fais un petit coucou. Du coup ils s'arrêtent et on commence à papoter. Et je sais pas si c'est des synchronicités, mais c'est quand même assez fou, quoi. Quand un projet doit se faire, on a l'impression que tout s'aligne pour que ça se fasse. Donc je pense qu'il faut être vachement attentif à ce genre de signes. Si jamais ça s'aligne pour que ça se fasse, c'est que ça doit se faire. Si on est là en train de tirer, de mettre de la force pour essayer de faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas ou qu'on y arrive mal, c'est peut-être parce qu'on ne doit pas le faire. Et là, ces petits messieurs-dames, ils s'arrêtent et on commence à parler tous les trois.
Et puis je leur explique que ma cabane est trop lourde et que je suis obligé de m'en séparer pour cette raison. Et que du coup, j'allais faire une roulotte qui est beaucoup plus légère. Donc ils me confirment que c'est beaucoup plus léger. Évidemment, ils ont l'air de connaître un petit peu. Et puis ils me disent, si vous cherchez de la toile pour la roulotte, il me dit, il y a un fabricant de toile juste à côté ici. Alors moi, j'en avais trouvé sur Internet. Il y en a d'autres parmi vous qui m'ont dit, tiens, il y a des toiles à tel endroit, etc. Donc j'avais regardé, mais c'était pas tout près, quoi. Et puis là, on me dit, et là, le gars, il est très coté, c'est pas donné, mais il fait du très très bon travail. Quand tu commandes ta toile, voilà, une fois que tu as donné tes cotes, que tu veux, tu dis là où tu veux tes ouvrants, enfin tes fenêtres, etc. Donc le gars, enfin des fenêtres cristal, hein, là j'entends, puisque c'est de la toile, donc c'est comme plastifié si on veut. Et puis, et du coup, on commence à parler de ça. Puis je leur dis, bah écoutez, là j'avais rendez-vous avec un monsieur. Hier justement, Jacques, il m'a déjà donné beaucoup de conseils aussi par rapport à la menuiserie, la technique, il m'a donné beaucoup de techniques, et puis surtout, il m'a donné l'adresse d'une scierie, et ils me disent, ah mais vous inquiétez pas, ici il y a une très très bonne scierie aussi, donc c'est-à-dire encore plus près, parce que l'autre est près de Saint-Brieuc, et là visiblement, la roulotte va se faire dans le Nord Finistère, autour de Brest, donc c'est assez marrant. Et donc je me dis, mais c'est un truc de fou. Et il me donne l'adresse de deux scieries et d'un faiseur de toile, d'un fabricant de toile. Et je me dis, c'est un truc de fou, quoi, parce que ces petits messieurs dames, j'étais pas spécialement disposé à aller leur parler sur le moment, puisque j'étais en train de faire autre chose. Et puis, c'est Lily Joy qui leur a fait un petit wa-wa-wa, là, sur le côté, par la fenêtre. Et j'ai regardé, puis j'ai aperçu le monsieur, puis voilà, puis comme ils sont partis, qu'on s'était vaguement entrevus à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, je vais pas faire ma sauvage, je vais leur faire un petit coucou, puisqu'ils s'en vont. Et là, on engage une conversation, et là, il me file trois adresses. Donc ça, c'est génial, c'est que je vais pouvoir faire des devis et des comparaisons. Donc ça, c'est très important. Et donc, ça me dit que, oui, il va falloir que je fasse des comparatifs très sérieux avec des cotes, etc. Mais ça, c'est quand même fou de se dire ça s'aligne, alors que franchement là j'étais, bien sûr je suis en train de faire mes plans, bien sûr, depuis que j'ai vu Jacques je turbine tout ce qu'il m'a dit, je regarde tout ce que j'ai noté par rapport à ce qu'il m'a dit, je fais mon petit micmac dans ma tête pour me dire bon, qu'est-ce que moi vraiment j'ai envie de faire, parce que lui il m'a proposé plein de techniques, donc après je me dis moi il faut que je sois autonome, complètement autonome sur cette petite roulotte, que je sache me démerder toute seule avec elle, c'est-à-dire que je sois capable de la dégoupiller de mon porteur pour l'enlever, pour la remettre. Il faut que j'ai besoin de personne, en fait. Quand je vais être sur la route, il peut m'arriver n'importe quoi et j'aurai peut-être personne avec moi. Et là, il va falloir que je me débrouille. Et donc, il faut absolument que je fasse cette roulotte dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que c'est ma maison, mais que je dois être parfaitement autonome sur tous les plans. Électrique, gaz, montage et démontage de la cellule, enfin ce que j'appelle la cellule, la roulotte. On dit une cellule quand c'est amovible, en fait. Que la cellule soit amovible et que je sache le faire seul, que j'ai besoin de personne. Il faut vraiment être autonome, surtout quand on est une nana toute seule. Il faut vraiment pouvoir se débrouiller toute seule. Et moi, j'y connais rien, par exemple, déjà en mécanique. Et puis ça m'intéresse pas à la mécanique. Donc je me dis que déjà, je suis tributaire d'un mécanicien pour la mécanique. Je veux que pour le reste, je puisse être capable de me débrouiller seul. Tiens, mon chien a disparu dans la grotte. Mais il y a une grotte là. Lily Joy, viens là. Ah, bonjour. Bah oui, c'est bon, tu peux rester alors. J'espère que quand on est dans un véhicule aménagé, il faut être le plus possible autonome et savoir se débrouiller. En fait, c'est ça le truc. Bon, eh bien, je me dis que si tout s'aligne de cette façon-là, j'ai des réponses à ma question, ma grosse question intérieure. Est-ce que je me lance dans ce projet toute seule ou pas? Bon, après, je me dis que peut-être que ce ne sera pas toute seule, peut-être que j'aurai des petits coups de main à droite à gauche. Mais je me dis vraiment, parce que j'ai plein de questions encore hein, par rapport à ça, je me dis, est-ce que je vais me lancer toute seule? Est-ce que je vais faire appel à quelqu'un? Est-ce que je vais payer quelqu'un pour m'aider? Parce que ça va être, ouais, je pense que ça va être long. Puis après tout, je me dis, j'ai pas de limite de temps, je suis pas pressé. L'essentiel, c'est de le faire bien. Et voilà. Et donc là, bah ouais, là je me dis, je pense que c'est vraiment ce projet-là qu'il faut que je fasse, puisque le grand univers, comme on dit, a l'air de me parler et de me dire, tiens, regarde, voilà encore des bonnes adresses si tu as besoin pour ta roulotte.
Eh bien, je vais me diriger maintenant vers Camaret, parce que là-bas, il y a, enfin, à côté, il y a un monsieur qui a donc fait sa roulotte lui-même. Et je l'ai eu au téléphone, il m'a donné plein d'infos et je lui ai demandé si je pouvais passer le voir. Il m'a dit oui, pas de problème. Lui, il va pouvoir me filer des sacrés tuyaux, je pense. Et en plus, un grand bavard, lui aussi. Donc, parce que je dis ça, parce que Maître Jacques est très bavard aussi. Donc, c'est assez rigolo. Et ben, j'aurai plein de choses à apprendre aussi de ce monsieur. Et donc, en fait, je suis sur la route. Là, je suis en train de remonter tranquillement. Je suis pas pressé. Donc, je suis en train de prendre toutes les infos que je peux pour pouvoir démarrer le projet dans de bonnes conditions, puis que ce soit tout bien clair dans ma tête, tout bien planifié sur papier, etc. Voilà, on en est un peu là pour le moment. Allez, tchuss, à plus. Je sais bien que je vous l'ai déjà montré, mais voici le pont de Térénez, qui est quand même un sacré petit pont. Un petit côté à droite, un petit côté à gauche. Voilà, il y a quoi? Il y a la Maye. Non, c'est l'Aulne en fait. La rivière qui est là, c'est l'Aulne. Hop, et là. Bon, ben voilà, c'est presque fini. Ah bon, après, feu partez, on sort. Hop, 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 hop. Et voilà. Et voilà, Spirale est content, son papa est arrivé. Et Spirale, t'es beau le cas. T'es beau gosse toi. Oula les mouches. Oula les mouches. Ah, la fenêtre elle est grande derrière. Oui, et pourquoi qu'elle est grande? Pour qu'il y ait de l'air. Non, en cas il y a le feu, je sors par là. Exact. Ouais, c'est pas bête. Le feu viendrait de là, devant. Oh, Lily Joy. Oh, c'est trop beau. Il y a pas mal de récup. Elle est jolie, hein. Voilà. Oh, elle est mignonne, la toute petite, là. Ah, c'est trop mignon. C'est un cadeau que j'ai eu avec... Non, c'est cool, bah, y a ce qu'il faut, quoi. Une manouche. Je sais pas. J'y ai pensé aussi à mettre en métal. De faire en tube, tout mais, entièrement. Mais moi, j'aime bien en... J'aime bien en bois en fait, moi j'aime bien le bois. Ouais, mais c'est caché, ça sert à rien. Ah, ceux qui sont dedans, ouais. Ouais, c'est vrai. Et au niveau de la cheminée, t'as fait comment? Alors, t'as mis une plaque? C'est un collègue qui a fait, ouais. Ah ouais. Plaque, ouais. Là, il n'y a pas d'eau, il y a un morceau qui manque. Normalement, le morceau qui est à l'intérieur. Ouais, il doit sortir un peu. Il sort, ouais. Il est comme il est bouffé. Ah, il est vieux. Ouais, il est bouffé. Ah, elle est vachement jolie, hein. Ouais. Elle a de la gueule, hein. Avec quelques accrochages. Ah la vache. Ça s'est fait à Redon. Ah oui. Ah, ça fait une belle. Belle petite roulotte, ça, hein, dis donc. T'as sauté dessus, quoi. Ouais, t'as tiré là-dessus. Ouais. Et t'as juste mis des vis tout le long. Ah, c'est incroyable. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus. Oh non, non, c'est pas. Y'a rien de... Il n'y a rien de sophistiqué. Hein. C'est tout. La roulotte pifomètre. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est génial. Et ça c'est mon bateau. Et ça, c'est ton bateau. Ouais. C'est un jeune de Ouessant qui fait des jouettes. C'est une jouette normalement. D'accord, ok. Et ça, pareil, c'est une jouette. Ok. Et t'as fait ça au pifomètre sans faire des plans, rien du tout? Ouais, le... La roulotte. Ah oui, oui, oui. Incroyable. Ah ouais, ouais. Incroyable. Et on m'a dit, c'est pas dur. Moi, j'arrête pas de faire des plans. Tu suis tes mains. Tu suis tes mains. Oui, oui, je vais faire ça. Je vais faire mes mains. Je suis mes mains. Voilà, là, c'est le temps, il est correct. Là, j'avais pensé ça. Ouais. Il faut remettre un petit et peu. Et ça, de... c'est normal, hein, parce que c'est le côté mauvais temps quand je m'arrête. Mmh. Ben oui, bien sûr, tu mets la cul. Tu mets la cul, ouais, bien sûr. Ouais. C'est tout en récup, cette petite roulette. Et ça s'ouvre là si je pousse? Ah oui, oui. Ah ouais. Et donc, Yves, il a fait oups, grand pour pouvoir s'échapper s'il y a le feu. Et puis j'ai, c'est pas bête, hein? Et le volet, il va là. Ah ouais, exact, ouais. Je vois les petits panneaux, les petits trucs là. Le concept du panneau solaire encastré dans un truc en bois. C'est pas con. Spirale. C'est quoi que tu lui as donné alors du... Tu m'as dit du... De l'orge aplati. De l'orge aplati. Oui. Ah d'accord. C'est de l'orge écrasée. Ok.
et il aime tellement ça qu'il décolle le fond en tapant dessus. Là, il ah, Léon. En spirale, t'as une belle roulotte, n'empêche. Hein. Ah, mais bon, est-ce qu'il voudra encore la traîner, ça, le truc. Alors, est-ce que t'es courageux? T'as encore envie de tirer la roulotte? Parce que ce matin, je suis allé à pied avec lui au long guide. Ouais. Et il marchait bien. Ah, si ça se trouve, il a envie de repartir avec la roulotte. Bien, ouais, mais je sais pas, j'ai une voisine là, qui est son père, qui est magnétiseur. Ah, ok. Et elle a ce don aussi, mais elle sait pas trop. Quoi. Ok. Elle fait ça avec. Je sais pas comment elle fait ça. Elle est venue faire ça au cheval hier. Pas hier. Si, hier. Avec des feuilles, des feuilles de couleur. D'accord. Le rouge, le vert, le jaune, tout. Et elle doit placer, et puis je sais pas si ça fait tout le boulot, as-tu vu passer la gazelle ou un truc. Et puis, ce matin, quand j'ai pris, là, il marchait super bien, qu'est-ce qui se passe là? Ah la vache, mais elle a réussi à lui... Alors, je dis, c'est peut-être ça, je dirais. Hein, parce que ah ouais, mais ça marche hein, apparemment sur les bêtes aussi. Ah, hein. Oui, oui, oui. Un très poids de 20 mulassiers, ouais. Ah, dis donc. Parce qu'avec la jument, quand on la croise avec les baudets du Poitou, ok. Tu vois ce que c'est les baudets du Poitou? Non, pas du tout. Je connais rien aux chevaux, monsieur. C'est un âne, mais il y avait des rastors. Non. Ah bah t'es beau. Et on croise donc la jument avec cet âne-là. Ah ok. Et ça fait des mules. Oui, ok, d'accord. Et c'est des mules qui sont extra. Salut. Voilà les mouches. Mon pauvre garçon. Pointe de Pénir. Les tas de poids au nombre de 3. Les 3 tas de poids. Les belles vagues en dessous là. On est très 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 haut là. Ça me fait penser aux falaises de Moher en Irlande qui sont aussi très hautes. Peut-être même plus hautes qu'ici. C'est impressionnant. Je sais pas comment ça rend en vidéo, mais je vous garantis qu'ici là, eh bien, faut pas faire l'homme douille. Eh. On n'est pas fiers, eh. Ouh. Magnifique. Mais où que suis-je? Je profite d'avoir vu cette roulotte à Camaret pour venir jusqu'à la pointe de Pénir, bien sûr. Et les 3 tas de poids qui sont derrière moi sont célèbres. Quand tu trouves un rocher qui épouse pile poil la forme de ton postérieur, face à la mer, à côté des tas de poids, bah tu fais une méditation quoi. La vue. La vue est belle ce matin, très très belle. Au-dessus de l'Aulne. Pile poil là où la rivière fait un coude,
Superbe. Eh ben, c'était une superbe nuit au Belvédère et je n'ai pas dormi toute seule. Il y avait un petit van avec moi. Et on a super bien dormi, au calme. C'était tip top. Alors maintenant, il commence à y avoir quelques voitures qui arrivent pour venir voir le point de vue. C'est un belvédère en même temps. Hein. Voilà. C'est vraiment sympa comme vue. Hein.